Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Perassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 20, les amis, voilà la vingtaine de notre aventure 100% sur Xenoblade Chronicles 3, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent, c'était tout simplement, on avait continué un petit peu ces fameuses terres de steppe, voilà, de forniste, hein, on va dire ça comme ça, mais dans lequel, écoutez, on s'était retrouvé là, donc normalement notre objectif est là, donc on a quand même pas mal de choses à faire, on va quand même passer par ce côté là, vu que soi-disant c'est ce chemin le plus sûr pour arriver logiquement à ce chemin là, dans le chemin ouest il me semble. Et donc du coup les amis c'est parti, on verra un petit peu là où ça va nous amener, en espérant qu'on puisse quand même avancer un minimum, sachant qu'on va quand même découvrir pas mal de la zone. Il y a beaucoup de choses à explorer. Mais ouais, donc on va quand même voir un petit peu, sachant que vous avez eu des petits endroits comme ça derrière qui peut cacher des choses. On va quand même récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Hein. En revanche, hop. Ok. Allez. Niveau 12 en plus. Alors, il y a un genre de conteneur en haut. What the fuck? Une sorte de tyrolienne. Ah, ok, une sorte de tyrolienne en fait. Qui mène à un endroit. Mais non, mais laissez-le tranquille. Bon, écoutez, pas le choix, on va le défoncer. Hein. Pauvre, ils ont tué un animal comme ça. Allez, derrière. Allez. Oh, ils font des dégâts quand même quand ils chargent. Hein. Ils font beaucoup de dégâts quand ils chargent. Ouais, mais ils sont trois là. Ok, déséquilibrer le flanc. Il y en a un qui est décédé. Allez, effet de zone. Derrière, j'espère qu'il n'y a personne qui est mort. Parce que comme il a chargé, lui, il s'apprête à charger. Ah d'accord, il y a même l'aigle et tout carrément. Ah ouais d'accord. Ah ouais, donc là ça a de la merde là en revanche. Ben, je crois que on va bientôt tous crever en fait. Allez s'il te plaît, meurs s'il te plaît. Voilà, compétence maîtrisée. Oh ok. Donc là il y a le fameux Taos machin chose carrément. Le gros oiseau. Dis donc. C'était assez what the fuck. Hein. Non, ne disparaissez pas. Je suis dégoûté. Bon, tant pis. Tant pis. Ah, on peut envoûter quelqu'un. Le truc niveau 14 en haut. L'élite, ça donne envie. Alors, comment on peut monter là-haut directement, tiens? En fait, il faut juste descendre d'ici, en fait. C'est tout. Ouais. Ouais, de toute façon, il y a plein de choses, il faut passer des niveaux, donc tu sais quoi. Faut pas fuir. Parce que là, je vous avoue que on se fait facilement défoncer ici, hein. Ça les a calmés un petit peu. Bon, on doit envoûter un milliard de personnes là-bas. What the heck. Oh. Je pensais qu'on peut monter directement. Ah oui, à mon avis, on peut monter directement. Mais comment? Comment voulez-vous qu'on monte directement là-haut? Je sais pas s'il y a un moyen de voler dans le jeu. Ou aller plus haut. Ou je sais pas quoi. Parce que là, je vous avoue que ça va être un poil compliqué. Bah, en fait, si, il faut arpenter ce sentier en fait.
Alors là-bas, il fallait envoûter plein de gens, mais il y a tellement d'endroits. Ce problème de jeu, c'est trop rempli ce jeu. Il faut pas fuir, il faut gagner de l'XP. C'est le problème de ce jeu en fait. Trop rempli. Merci. Ok, salut-vous. Hop. Allez. Performance, voilà. On attire tout le monde, hein. Bon, c'est des ennemis assez faciles, ceux-là. Parfait. Pendant qu'on est en train de passer des rangs d'attaque et tout ça, là. Yes, classe obtenue, ouais. Ok, en fait je vois pas où ça se tape, voilà, ok là. Ah bah dis donc. Bah, ça c'est l'oiseau qui m'a repéré, c'était 100% logique. Alors après on pourra, on commence à bien réussir à monter là. On pourra du coup visiter un petit peu le tour des trucs. Du coup en fait ils disent classe obtenue, mais classe obtenue comment? Classe. Ah ok, je viens de comprendre. Genre par exemple je peux maintenant utiliser le gardien lourd. Donc là je suis rang 10, rang 5, on peut utiliser gardien lourd. Donc du coup en fait avec les autres on peut... Ah d'accord, je viens de comprendre. C'est une genre de sociogramme envers eux en fait. Ogre, waouh, ogre directement. Ogre ça peut être bien hein. Non, on va garder ça. Ah non, quoi que. En fait, il faudrait monter les classes de toute façon, donc quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, on n'a pas trop le choix. Hey, toi t'es élite toi. Ah, pour monter là directement. J'adore, il garde le conteneur, il garde le corps de la personne. Boum. Effet de zone. Attention parce qu'il peut faire mal, hein. Il peut faire mal, on va mettre... Non, voilà, on est dans attaque plus. C'est parfait là où il nous a placé le cercle, lui. Allez, derrière, thank you. Bon, par contre, là, honnêtement, faudrait... Il faudrait quand même, j'ai encore des compétences, il va déséquilibrer le flanc. Allez, derrière. Effet de zone. Esquive. Merci. Bon, ça va, on s'en sort finalement. Derrière. Et l'habitude. Et normalement, je crois qu'on va le finir là. Et ben voilà, victoire! Thank you! Donc là, il y a le conteneur qui contient. Oh! Oh! Tout ce qu'on a eu. Ok, donc là, on va pouvoir envoûter la personne. Allez, envoûte. C'est magnifique. Voilà. On envoûte, hein, c'est important. D'abord, on pourra envoûter plein de monde, mais d'abord, je voudrais juste voir où mène cette fameuse tyrolienne. Et après, on pourra envoûter les 50 millions de personnes qui sont là-bas. Mais cette zone est très grande, hein. On peut voir que cette zone est vraiment très, très, très grande. Ça va de partout.
Donc effectivement, il faudrait quand même faire attention. En fait, là-bas, j'ai pas l'impression que ça continue. J'ai l'impression que ça continue. Ça mène dans un cul-de-sac, donc ça m'arrange. Allez, on va pas monter. Comment ça, de cela, de sitôt? Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh, je suis dégoûté. Bon, bah, écoutez, il y a pas le choix. Hein. Bah, du coup, oh, attention. Ne pas trop non plus abuser. Voilà. On va quand même devoir aller là-bas, hein. Ok, bah, je suis dégoûté. Repère découvert, arche de Menno. 125 d'expérience. Soit. Hop. Bois de bronze. Donc là, il y a 1 milliard de trucs à envoûter. Encore, je pèse mes mots. Je sais pas si c'est vraiment utile de descendre là en fait. Ah si, parce qu'il y a la veine des heures de dessous. D'accord, donc en fait c'est pour accéder à la veine des heures. Bon, vous savez quoi, on va tenter d'éliminer la menace qui est là, parce que ça va être un poil compliqué ici. Voilà, on élimine ça. Parce qu'à mon avis, je vais pas me faire aggro que par lui, hein. Ah, il y en a un autre. Ah, c'est lui. Comme ça, après, on pourra envoûter beaucoup de monde. Derrière. Ah, on a aggro, ouais, on en a aggro, c'est parfait. Venez, venez, toi aussi, toi, viens, viens, aggro. On va le frapper une fois, voilà. Ça, on aggro tout le monde. Oh oui. Allez, effet de zone. Voilà. Ok. Voilà, derrière. Eh, hey, ok, lui il est éliminé. Hop, esquive. Thank you. Derrière. Et l'habitude. Boum. Oh, échec, t'es sérieux? C'est bon. Alors, on va pouvoir dépouiller l'ensemble des personnes ici. Oh putain. Là normalement on va avoir plein de trucs d'un coup. Paix à leur âme. Wow, 100. C'est fastamagorique. Allez, du coup, on va pouvoir aller là. On va activer la veine des heures. Hein. Ça, il en faut absolument. Normalement, elle est censée être là. Si je dis pas de conneries. Voilà. Oh, on peut sauter directement. Hein. Et la petite veine des heures. Merci. Ça nous en fait toujours un petit peu. Bon, bah du coup, on va devoir remonter. Truc ultra relou. Non, on active pas ça. On part. On s'en va. De toute façon, bon, on a un petit peu libéré la voie. On fuit. Voilà. Non mais dis donc, vous êtes fou quoi. Allez. En plus lui, il me donnera beaucoup plus de choses que la normale. Voilà. Bah là, il n'y a pas le choix de tuer des ennemis, hein, les amis, parce qu'il faut vraiment avoir des niveaux. Derrière. Et voilà. Bon, on va pas tout tuer non plus, mais au moins voilà. De toute façon, si on veut vraiment farmer un petit peu,
on fera un épisode exprès pour ça qui durera une heure, comme on fait dans les autres let's play, entre 30 minutes à une heure. Carotte comète. En tout cas, on en obtient des choses. Hein. Peut-être inutile, mais au moins on en obtient. Venez, venez. Ouais. Thank you. Toi, tu attaques, toi, je me semble. Ouais, t'attaques des fois. C'est quoi? Enfin, c'est les deux qui attaquent, mais bon. On sait pas. Alors, du coup. Merci. Derrière. Là, il a pas voulu derrière, mais t'es chiant. Allez. Derrière. Alors, on va déséquilibrer le flanc. Et voilà. Ok. Bon, de toute manière, on avait le petit repère. Donc là-bas, du coup, c'est pour monter tout là-haut. Hein. Malheureusement, on peut pas trop là. C'est un petit peu dommage. Soit. Bois de bronze. Ah, vraiment, on récupère tout ce qu'on trouve. Hein. C'est important. Pour les cartes d'encyclopédie ou quoi que ce soit. Alors, cette grande zone là. Ah, une quête. Une quête secondaire. Ça faisait longtemps, tiens. Vous avez pas manqué. Site découvert, cuvette de Pianto. Alors, on va pouvoir du coup lui parler, Bubule. Que s'est-il passé? Tout va bien? Mais, que se passe-t-il? Oh, oh, Bubule a besoin d'hydratation. De quoi t'hydrater? Tu aimerais que nous t'apportions ça? N'importe quel liquide fait à faire, Bubule la gorge qui se dessèche. Ok, je sais pas trop ce qui se passe, mais trouvons de quoi rafraîchir sur nos ponts. Le marchand a soifé, quête normale acceptée, voilà. Ami Poire a apporté hydratation pour Bubule. Ah, pamplemousse élégant. Ah, il faut être à 100%. Mais pas assez gorge, assez sèche, ouais. Ça, on a compris, oui. Donc, en fait, il nous en faut plein, hein. Enfin, il nous en faut plein. Bon, bah, dès qu'on trouvera des trucs. Parce qu'en fait, il cherche quoi précisément? On va voir un petit peu. Châtaigne, pomme. Pamplemousse, kiwi, litchi, ananas. Oh, en fait, des fruits, bah oui, c'est regorge d'eau de base. Ouais, donc en fait, il veut des fruits en fait. Donc dès qu'on trouvera des fruits, dès qu'on trouvera plutôt des fruits, c'est un peu mieux français. On ira voir un petit peu. Hein. La dépouille. Allez, on va guider. Oh, mais il y en a plein de dépouilles. Oh, mais cette zone est trop grande. Cette zone est beaucoup trop grande en fait. Merci. Allez, cèdre lustré. Habitude. Ok. Pélage, résistant, pélage. Allez, derrière. Non, je veux pas prendre l'aggro. Chier.
C'est bon. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors là, on est en face à une immense zone. Mais à une immense, hein. Là, c'est, je sais même pas comment on va faire pour explorer tout ce merdier. Mais c'est une immense zone. Donc dans l'épisode prochain, on ira tenter d'explorer, en tout cas, une grosse partie de cette immense zone. Avant de faire la petite quête secondaire qui est en fait pas très loin. J'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est vers l'eau là-bas. Donc on verra un petit peu tout ça. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 20. Voilà, on est déjà quand même à la vingtaine concernant ce let's play. Hein, mine de rien, on se rapproche petit à petit quand même. Et même en équilibre avec le Xenoblade Chronicles 2, hein, évidemment. Donc c'est quand même assez dingue. Donc on ira du coup dans l'épisode prochain. Ouais, bah, continuer l'exploration. On doit envoûter encore quelqu'un là-bas. On doit faire à mon avis plein de choses. On voit qu'il y a un petit conteneur à avoir là-bas. Voilà, on peut voir vraiment que c'est pété de choses à faire ici. Donc à mon avis, on en est pas sorti. Et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Et encore merci pour cet épisode du coup numéro 20 de ce Let's Play qui me fait plaisir, qui me tient à cœur. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et du coup, bah, on va sauvegarder directement.